trust you. On gang, bang. And I'm dangerous. Smith and West. And it's stainless. Brand new Rars. I'm finna paint it. She took a Xanny. And she fainted. I'm front of gutter. Hi everyone, welcome back to my channel. Je me présente, je m'appelle Annaëlle. Sur ma chaîne, vous allez retrouver uniquement des tutos make-up parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Voilà. Et puis c'est tout. Bien pour une nouvelle vidéo sur un total look, donc des sourcils au teint. C'est un look qui m'a été demandé par une abonnée sur Snapchat. Un look que vous allez pouvoir recréer en fait en été. Clé d'un maquillage d'été. Un maquillage d'été, c'est avoir une base. Ce n'est pas afin. C'est avoir une base, un fond de teint matifiant et pas trop de matière sur le visage. Moi de base, j'ai la peau grasse. Toutes celles qui ont la peau grasse, bienvenue. Chin chin. À la vôtre. Toutes celles qui n'ont pas la peau grasse, toutes celles qui ont la peau mixte, la peau sèche, etc. C'est la même chose pour vous, sauf que je pense que vous allez devoir ne pas utiliser la base que moi j'ai utilisée parce que c'est une base pour les peaux grasses. Désolée si pendant mon audio vous entendez des bruits de marteau ou de tournevis, etc. C'est parce que ma ville est en ce moment en travaux et du coup je peux rien y faire, malheureusement. J'ai déjà fait mes sourcils, donc j'ai fait mes deux sourcils. Boom. Boom. Boom, bitch. Boom. Je vais commencer par mettre mon anti-cerne de chez LA Girl comme base sur mes paupières, donc quand même en quantité. Ça va vous permettre de d'unifier déjà votre paupière et ça fait super bien tenir les fards à paupières. Après, soit vous prenez vos doigts ou soit vous prenez un pinceau. Moi, j'aime bien prendre un pinceau parce que j'aime pas trop me maquiller avec les doigts. Sinon, quoi de neuf? Les vacances, ça se passe. Est-ce que vous pensez que je devrais faire beaucoup plus de vidéos comme ça? Je fais toujours tenir ma... mon anti-cerne avec de la poudre, j'ai même pas le nom de la marque, mais c'est une poudre qui vient du bled que ma mère a acheté au pays. Elle est super bien, genre moi j'aime beaucoup. Et j'en profite aussi pour en mettre sur mes sourcils, faire tenir l'anti-cerne. Ça va vous éviter en fait d'avoir des plis, vous voyez les plis là? Bah avec la poudre sur... l'anti-cerne, ça va vous éviter d'avoir de plis. Vous voyez les paupières qui brillent là en été, et ben ça va vous éviter ça. Donc en fait, le secret en été, c'est tout le temps mettre de la poudre. Poudre, 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 tout le temps. Voilà, donc là, j'ai mis mon anti-cerne. J'ai fait tenir mon anti-cerne avec de la poudre. Vous pouvez utiliser la banana powder, vous pouvez utiliser du talc, vous pouvez utiliser toutes les poudres que vous Let. Je vais prendre du scotch, donc ça va me permettre en fait de pas déborder le rage et tout. Mais c'est ok, c'est ok. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma playlist sur Apple Music, SoundCloud, je viens de la créer juste pour vous. The Jaclyn Hill Palette. Le secret pour avoir des beaux yeux, c'est la couleur de transition. Sans couleur de transition, bitch, tu ressembles à rien. Sans couleur de transition, ça sert à rien de faire tes yeux. Sans couleur de transition, non, en fait, sans couleur de transition, tu ressembles à rien. Genre, si t'as pas de couleur de transition, en fait, c'est pas des yeux. Moi, en couleur de transition, j'aime bien utiliser tout ce qui est orangé, beige, quelquefois rosé, parce que c'est les couleurs qui me vont le mieux. Et c'est les couleurs qui se transitionnent plus facilement. Pour les yeux, vous allez donc de l'extérieur vers l'intérieur. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Prenez un pinceau fluffy comme ça. C'est des pinceaux super épais avec des poils longs. Ces pinceaux-là, ils vous permettent de toucher une très grande zone. Toute cette zone-là, ça sera la couleur de transition. Vous êtes d'accord? Au-dessus de votre pli, c'est censé être la couleur de transition. Vous répétez l'action jusqu'à ce que la couleur vous plaise.
Donc, après avoir mis la couleur de transition, comme vous voyez, sur mes paupières, vous allez prendre un pinceau beaucoup plus resserré. Ça va toucher en fait une plus petite zone, alors que celui-ci, il a touché une plus grande zone. Vous voyez comment ça se marie bien? Eh, couleur de transition, c'est important. Vous rigolez trop avec couleur de transition. Hein. C'est trop important la couleur de transition. Mais bon, comme vous dormez dessus, c'est pas grave. Je suis vraiment désolée si des fois je vais devoir mettre la musique. Pourquoi? C'est parce que je suis toujours concentrée quand je fais mes yeux en fait. Et après, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour ma couleur de transition. Je vais venir estomper par-dessus rapidement, histoire de faire ressortir la couleur. Je garde le même marron que j'ai utilisé, toujours de la même palette de chez Morphe. Là, je vais utiliser la Modern Renaissance. C'est un même marron, mais celui-là, il est beaucoup plus pigmenté que celui de ma palette, vous voyez. Vous blaguez avec Anastasia d'autrui. Anastasia des gens. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé ma couleur de transition. Et je vais le faire par-dessus pour faire ressortir ma couleur de transition. Je vais reprendre l'orange que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais le mettre par-dessus. Donc là, j'ai pris mes deux couleurs. Et en fait, je voulais vraiment que ce soit marron. Donc je vais rajouter plus de marron, mais que sur le creux, vous voyez, à mon pied. Juste là. Je vais rajouter du... Je vais utiliser l'anti-cerne Super Stay 24 Hours de chez Maybelline. C'est une couleur super blanche, mais c'est fait exprès parce que ça, le blanc, ça fait ressortir les couleurs. Et du coup, comme je vais mettre un truc assez gold et tout, bah, voilà, c'est super. Ça rentre dans le thème. Pour faire un cut crease, je vais prendre un pinceau de chez MAC, mais j'ai plus le numéro. C'est le 275, donc c'est un pinceau plat comme ça, qui a une forme assez triangulaire. Je crois qu'il appartenait à Sephora, je suis pas sûre. Je sais pas, en tout cas, un jour, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Et je me suis dit, tiens. Et comme je vous ai dit tous les jours, la clé pour un cut crease, c'est de le prendre au-dessus. Donc là. Vous allez vous arrêter là. Voilà. Donc vous prenez là. Hop. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cut crease. J'ai raté mon cut crease. Donc cet œil là vous le calculez pas, vous devez calculer celui-ci. Vous prenez là. Bon, j'ai un tout petit peu arrangé le truc. Je vais juste refaire mon cut crease. Je suis contente d'avoir pu réparer mon erreur. T'as le droit de faire une erreur, mais t'as pas le droit de faire la même erreur. Ok ?
cooking. J'ai tellement peur de refaire la même erreur, justement. Pinda cooking. Après ça, je vais prendre un pinceau comme ça. Vous voyez les pinceaux pour faire à paupières. Et je vais venir poser en fait ma poudre libre. Je la mets sur mon anti-cerne pour éviter que l'anti-cerne bouge ou quoi. Donc vous pouvez poser ça en quantité. Moi j'aime bien poser un peu n'importe comment. Après ça, vous allez prendre votre eyeliner. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir cette technique là, parce que ça va vous permettre d'avoir le même eyeliner ici et ici. J'arrive à la partie que tu attendais, le teint. Pour le teint, moi j'utilise le Milk of Magnesia. C'est la seule base que j'arrive à mettre en été et qui tient mon teint. Je ne brille pas du matin jusqu'au soir. Pour vous dire à quel point ça a sauvé ma vie et j'espère que ça sauvera aussi la tienne. Bien évidemment, quand vous mettez le Milk of Magnesia, n'oubliez pas de vous hydrater la peau. Moi je m'hydrate avec la crème hydratante apaisante de chez Yves Rocher. Ne mettez jamais le Milk of Magnesia sans vous être hydraté la peau. Mais d'accord, t'as noté? T'es sûr que t'as noté, hein? Je te regarde, j'attends. T'as noté, c'est bon? Ok, Milk of Magnesia, le mettre après c'est de s'hydrater la peau. Donc, vous en prenez aussi en petite quantité parce que ça prend vraiment du temps à sécher. Donc moi j'en prends genre comme ça. Et je l'applique en fait sur ma zone T. Ah, je brille beaucoup du nez. Et au niveau d'ici, genre je brille là, là et sur le nez. Comme j'ai dit, en petite quantité. Ensuite j'en rajoute légèrement sur le front. Parce que c'est bien de rester mat. Et sur le menton. Parce que j'ai le menton qui brille. J'en mets un tout petit peu sur mes traits du visage parce que ça me le cache. Et ensuite j'attends que ça sèche. Je sens que mon appareil photo va s'éteindre avant que je termine ce tuto. Je le sens. Du coup là, je vais passer au teint. Ma base a séché. Évitez aussi les traits du visage. En fait, ce que vous devez faire, c'est ne pas bouger, ne pas parler. Et surtout, évitez de mettre de la matière où vous avez des plis. Moi, mes plis, c'est là. C'est, comme fond de teint, je vais utiliser le Fenty Beauty parce que c'est le fond de teint qui me va le mieux et qui est vraiment ma carnation. Et aussi, ce que j'aime aussi chez Fenty Beauty, c'est que ça me donne un effet mat. En plus d'avoir le Milk of Magnesia, il faut prévoir une foundation, pour vous dire en français, un fond de teint mat.
comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en mettez beaucoup. Mais sur les zones où vous avez des traits du visage, vous en mettez pas beaucoup. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Makeup Revolution en teinte C11 et je vais l'appliquer. Je vais pas l'appliquer directement ici, je vais l'appliquer plus vers le bas. Voilà. C'est un anti-cerne super couvrant. Je vais prendre le concealer de chez Wet n Wild. Mon éponge propre mouillée. Should I come through? Can I come kick? Can I come kick with you?